Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Il est docteur en physique et vulgarise la science comme personne. Ça se passe sur YouTube évidemment. C'est un chercheur caméléon. Il est aussi directeur scientifique pour le studio Ubisoft. David Louapre, c'est notre influenceur à suivre. Une autre influenceuse, vous le savez, on l'aime ici dans l'école du futur. C'est Jeanne Dreyfus, notre enquêtrice de l'art. Et cette fois-ci, c'est une influenceuse qui enquête sur les autres influenceurs. C'est toi évidemment. Tu t'es penchée sur les stratégies. Euh, digital et le milieu culturel. Tout à fait, j'ai vu comment euh, le musée euh, s'emparait des réseaux sociaux aujourd'hui pour faire sa communication, son marketing et atteindre tout un tas de publics différents. Et on te suit dans un instant, évidemment. Notre question du jour. Si je vous dis NFT, walkisme, Chillé, dégenré, éco-anxiété, gênance ou performer, j'espère que vous avez la définition, en tout cas ce sont les nouveaux mots qui font leur entrée dans l'édition 2023 du petit Robert, des termes adoubés donc par le dictionnaire et qui circulent dans le langage usuel depuis plusieurs mois. Alors comment est-ce qu'on choisit les mots qui font avancer la langue française et puis surtout comment est-ce qu'on cultive le goût du vocabulaire Pour en parler aujourd'hui à mes côtés, Géraldine Moinard, vous êtes directrice de la rédaction des éditions Le Robert, bonjour à vous. Bonjour. Et puis Charles-Henri Delalonde, président de la Fondation Voltaire, co-organisateur du concours des Décodeurs Campus. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, focus. <music> et oui, la science est étonnante et David Louapre le prouve tous les jours dans ses vidéos. YouTuber la nuit, directeur scientifique pour Ubisoft le jour. Ce docteur en physique nous épate son portrait dressé tout de suite par Edouard De Nio. Grâce à lui, les sciences n'auront plus aucun secret pour vous. David Louapre est un chercheur, docteur en physique, directeur scientifique chez Ubisoft et youtubeur français. Vous l'aurez compris, il possède de nombreux talents. Après des études et une thèse à Normal Sup à Lyon, David Louapre travaille dans l'industrie et rejoint le centre de recherche de Saint-Gobain. En 2010, il crée un blog de vulgarisation scientifique avant de se lancer en 2014 dans l'aventure YouTube en démarrant Science étonnante, sa propre chaîne afin de partager son savoir au plus grand nombre. Sa recette des vidéos ludiques dans lesquelles il décrypte des grands concepts scientifiques, de la théorie du Big Bang à l'énergie du vide quantique en passant par les tensions autour de la constante de Hubble. Aujourd'hui, on va parler d'une grave crise qui secoue le petit monde de la cosmologie. Alors rassurez-vous, hein, pas de drame et encore moins de meurtre, mais un désaccord profond entre deux méthodes censées pourtant mesurer la même chose, la constante de Hubble. Cette constante, c'est un des paramètres les plus importants de la cosmologie, et plus les méthodes de mesure progressent et deviennent précises, plus il semble qu'elles conduisent à deux valeurs différentes et foncièrement incompatibles. Aujourd'hui, on va donc parler de cette crise sobrement prénommée la tension de Hubble. Aujourd'hui, sa chaîne compte près d'un million deux cent mille abonnés qui le suivent dans chacune de ses vidéos mathématiques, physique, biologie ou sciences humaines, David Louapre vulgarise tous ces sujets avec énormément de pédagogie et d'intelligence. En 2016, le chercheur reçoit le prix Jean Perrin pour sa contribution à la vulgarisation et à la médiation scientifique. Pour cette même activité, il reçoit en 2021 le prix Paul Doistot, Émile Blutet de l'information scientifique, remis par l'Académie des sciences. Et tout de suite, on ne va pas chiller, non, parce qu'on va se poser de véritables questions on va éviter la gênance quand même. Dans notre talk, on parle des mots et du goût du vocabulaire. Première partie du talk. Et pour parler de ce goût des mots, de ce goût du vocabulaire, Géraldine Moinard, directrice de la rédaction Le Robert, et Charles-Henri de la président du projet Voltaire, de la fondation, même Voltaire, co-organisateur du concours des campus, sont à, à nos côtés. D'abord, j'avais envie de vous demander quelques définitions. Allez, au hasard comme ça, si je vous dis performer, vous me dites quoi alors, performer, il y a plusieurs sens pour performer. Performer, c'est faire une très bonne performance en bourse. Euh, faire également un élève qui performe, un élève mm -hmm. qui a de très bons résultats. Et puis, il y a le sens artistique. Euh, faire une performance artistique. Donc, vraiment, on emploie les mots dans toutes leurs définitions et dans toute leur ampleur. Si je vous dis dégenrer, Charles-Henri, quelle est votre définition J'imagine que c'est un rapport avec le masculin et le féminin. Est-ce qu'il s'agit de changer de genre est-ce qu'il s'agit de faire disparaître son genre On va poser la question à la directrice de la rédaction des éditions du Robert, parce que c'est notamment vous et vos équipes, Géraldine, qui choisissez. De faire entrer ou pas certains mots dans le dictionnaire. Encore une fois, il y a plusieurs mots qui entrent encore une fois cette année pour l'édition en 2023 qui sont adoubés par, par le petit Robert. Est-ce que d'abord il y a des critères particuliers pour faire entrer un mot dans le sacro-saint dictionnaire Oui, évidemment, il y, a des, il y a des critères. On retient généralement trois critères principaux qui sont des indicateurs de l'implantation d'un mot dans la langue, puisque tous les mots ne rentrent pas dans le petit Robert, qui contient un nombre limité de mots, donc les mots les plus importants. Un premier indicateur, ça va être la fréquence d'emploi des mots, un mot qui est très employé, qu'on voit partout, notamment dans les médias, par exemple. Évidemment, on va se poser la question de le faire rentrer. Ça a été le cas, par exemple, pour « wokisme », qu'on a entendu absolument partout, donc on a besoin de le comprendre. Il y a un deuxième critère qui va être la diffusion du mot dans le langage. Il y a des mots qui sont peut-être un petit peu moins fréquents, mais qui vont se diffuser être être euh, qu'on peut rencontrer dans mm -hmm. différents milieux différents médias différents chez différentes personnes donc vraiment des milieux un peu plus variés mm -hmm. ça va être le cas par exemple pour certains termes scientifiques qu'on va plus seulement qui ne vont plus être réservés à des spécialistes donc qui figurent dans des dictionnaires de spécialité mais qu'on va entendre euh, voilà que tout le monde va entendre ça a été beaucoup le cas avec les mots du Covid par exemple qui existaient pour certains déjà avant mais qui n'avaient pas qui pas la diffusion que l'on connaît mm -hmm. et puis euh, là, un critère aussi c'est une certaine pérennité euh, on attend on on observe les mots un certain temps, moins longtemps aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'années, mais on observe, puisqu'ils se diffusent plus vite, c'est grâce okay. aux médias notamment, mais on observe les mots. Pour euh, voir s'il s'implante réellement durablement dans la Est-ce que ça veut dire qu'en fonction des années, il peut y avoir aussi des modes, des tendances euh, sur le vocabulaire qu'on va faire entrer au dictionnaire Cette année, on voit qu'il y a beaucoup de mots, notamment issus de l'économie numérique, NFT euh, mmh. notamment, et pas que il y a aussi dans la partie personnalité euh, des euh, grands patrons, des grandes figures de la high-tech euh, qui font leur entrée, comme Elon Musk euh, par exemple. Euh, il y a comme ça des années où on se dit ok on est plus scientifique on est plus numérique on est plus aussi dans les changements sociétaux parce qu'on le voit aussi avec wokisme notamment ou des genres par exemple c'est pas c'est pas en termes d'années c'est il y a une époque qui fait que tous les ans on a beaucoup de termes du numérique on a beaucoup de termes euh, du genre oui effectivement mais c'était le cas les années précédentes aussi on a des termes euh, autour de de la, de la gastronomie, toujours parce qu'on mm -hmm. aime bien manger. On a des termes euh, de société en général. Et puis, par exemple, on l'a vu ces dernières années, on a eu beaucoup de termes liés au Covid, puisque le Covid est très présent euh, dans notre société enfin, ces dernières années. Donc, finalement, si je l'entends bien, c'est la société qui fait oui. aussi euh, les mots, qui les emploie, qui les transforme, qui euh, finalement les viralise. Oui, parce que le dictionnaire, enfin, en tout cas, les dictionnaires Le Robert sont un observatoire. On ne décide pas. Des mots, on ne les invente pas. Les mots, ce sont les locuteurs, les usagers du français qui vont les créer, les faire apparaître, les diffuser, les utiliser ou ne pas les utiliser. Et nous, on observe et on enregistre les mots qui connaissent une certaine diffusion, qui ont une certaine fréquence et qu'on va euh, oui, faire rentrer dans l'itinéraire pour permettre aux gens de les comprendre. On va revenir à ce poste d'observation dans un instant, mais justement, comment est-ce qu'on... Comprend mieux les mots, comment est-ce qu'on fait des efforts de pédagogie pour que les plus jeunes se les approprient ben, Ça se passe avec vous, notamment Charles-Henri Delalonde, pour la Fondation Voltaire et surtout ce concours, les Décodeurs Campus. Alors, les boomers autour de cette table, évidemment, auront une espèce de, de Madeleine de Proust qui revient. J'avais envie de dire que vous êtes presque le Bernard Pivot de, de 2022, parce qu'on se souvient des grands exercices de dictée, notamment avec Bernard Pivot, qui popularisait, là aussi, cette passion, cet amour pour. Pour le vocabulaire, pour la syntaxe et l'orthographe. Aujourd'hui, les Décodeurs Campus, la troisième édition de la finale a eu lieu le 19 mai. 18 000 élèves inscrits au départ sur cinq continents. Et de 18 000 élèves, il n'en est resté que 70 finalistes des collégiens, des lycéens. Absolument. C'est un concours que la Fondation Voltaire a lancé il y a trois ans. Donc c'était la troisième édition. Et euh, des 18 500 inscrits dans 50 pays. Euh, accompagné par euh, près de 900 euh, enseignants de français ou professeurs documentalistes euh, partout dans le monde sur les cinq continents et surtout évidemment euh, dans les pays de la francophonie. Euh, il n'en restait que 70, <laughs> 10 équipes euh, qui se sont affrontées euh, hier euh, en direct, en multiplex, depuis leurs établissements, mm -hmm. euh, avec un jury qui était basé euh, à Paris voilà, pour les interroger. Et savoir qui seraient les lauréats de cette édition 2022. Et on les interroge comment Je crois, crois qu'ils peuvent se constituer par équipe. C'est du relais, si j'ose dire, d'orthographe et de vocabulaire. Effectivement, c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif qui a été imaginé d'abord comme un outil et une animation pédagogique pour les enseignants, donc au service des enseignants, puisque on parlait tout à l'heure des avant-postes, euh, des mots, de l'évolution de la langue française, etc., telle qu qu'elle se pratique en France, mais telle qu qu'elle se pratique aussi sur les cinq continents. C'est une langue bien vivante. Et hum, les enseignants proposent à leurs élèves de constituer des équipes de sept mmh. euh, et s'entraînent du mois de janvier jusqu'au mois de mars, passent des qualifications au sein de leurs établissements euh, au mois de mars, et puis en fonction euh, des résultats, euh, arrivent euh, en finale. Et donc, effectivement, seule une dizaine d'équipes, donc deux par niveau, de la sixième à la seconde, donc 11 à 16 ans euh, mmh. environ. Euh, arrive en finale, arrive jusqu'en finale. Et donc la bonne nouvelle, si je vous écoute bien, Charles henri c'est que on déplore chaque année la baisse du niveau en orthographe des élèves, notamment français, mais on voit que de la sixième jusqu'à la seconde, il y a de véritables passionnés de la langue française. Oui, oui, c'est un engagement parce qu'effectivement, les élèves sont invités à découvrir des nouveaux mots. Et, et ça les passionne en fait, puisqu'ils savent très bien qu'acquérir des nouveaux mots, enrichir son vocabulaire, c'est aussi se donner une capacité supplémentaire d'expression, d'être précis, d'être nuancé, mmh. euh, de pouvoir défendre ses opinions, de pouvoir argumenter, et que ça, c'est précieux pour toute la vie, pour la vie citoyenne, pour la vie familiale, pour la vie professionnelle notamment, pour l'accès aux études supérieures et donc même s'ils ne sont pas déjà euh, dans ces bénéfices euh, et dans une logique d'employabilité bien sûr euh, le, le fait de partir à l'aventure et de découvrir euh, un nouveau continent euh, de mots euh, ça les passionne et puis en plus on est un concours francophone de vocabulaire c'est à dire que non seulement il y a des mots qui sont familiers plus ou moins euh, en tout cas d'usage courant dans la langue française hein, c'est pas un concours élitiste c'est un concours qui se veut euh, pratique et pour enrichir les mots de la langue euh, d'usage euh, mais il y a aussi des, des mots Savoureux de la francophonie, qu'il est vraiment très intéressant de faire connaître euh, aux élèves. Est-ce que Lesquelles, vous savez. Par que... exemple, bah, par exemple euh, il y a parfois des anglicismes qu'on mmh. utilise, alors qu'il existe des mots magnifiques qui ont été, euh, par exemple, inventés par euh, nos cousins québécois, uh -huh. comme divulgacher à la place de spoiler. Absolument. Ça, c'est un de mes préférés. Ouais. Euh, ou ambiancer, qu'on utilise aussi euh, en Afrique. Euh, bref, un Français, finalement, aux mille visages, aux mille saveurs, et euh, qui permet de, de s'exprimer euh, à bon escient. Et ça, les élèves sont, sont passionnés. On travaille avec des enseignants, un collectif d'enseignants. 900, euh, on le disiez tout à l'heure. Alors, on, on travaille avec 900 enseignants qui ont inscrit leurs élèves pour euh, ce concours. On travaille aussi avec des enseignants sur la conception des corpus mm -hmm. de mots qui sont proposés pour chaque niveau, puisque les mots qui sont proposés au 6 ne sont pas les mêmes que ceux qui sont proposés aux classes de seconde. On adapte en fonction adapte. de l'âge de, de, de ces jeunes. Exactement. Donc, il y a en réalité un gros travail d'auteur et ensuite mm -hmm. un travail collaboratif avec des enseignants pour ajuster au mieux par rapport aux capacités au potentiel des élèves. Alors du coup, je, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'intégrer pour la finale du 19 mai dernier les nouveaux mots qui ont fait leur entrée cette année dans l'édition 2023 du Petit Robert mais euh, ça veut dire quoi aussi Géraldine quand on choisit de faire entrer un mot dans le dictionnaire, c'est une grande responsabilité parce qu'on sait qu'on va impacter sur la langue la façon dont elle se transforme donc dont elle se transmet aussi. C'est une certaine responsabilité, puisque le dictionnaire est perçu comme une sorte d'arbitre euh, des mots. Donc, c'est important. On n'impacte pas la langue, c'est on observe. Encore une fois, c'est ce qu'Alain Ray lui-même disait. Le dictionnaire, c'est un observatoire. En tout cas, c'est vrai pour les dictionnaires Le Robert. Donc, non, on ne fait pas la langue, on observe ce qui se passe. C'est quand même une responsabilité importante puisqu'il y a une sélection qui est faite parmi les mots, donc en fonction de, de l'usage qui en est fait. C'est une responsabilité importante parce que le dictionnaire étant l'arbitre, il va falloir donner des informations précises, claires, euh, sur l'orthographe, sur la conjugaison, mmh. sur le sens des mots, sur la manière dont on les emploie. Et donc, oui. Si on se réfère à l'arbitre. <laughs> ce qui veut dire quoi On faisait référence tout à l'heure avec Charles Henri euh, aux anglicismes euh, qui évidemment sont traduits minutieusement, notamment par euh, les Québécois et les Québécoises avec des mots savoureux, divulgachés à la place de spoiler. Euh, wokisme aujourd'hui et woke qui font la rentrée dans l'édition 2023 du Petit Robert. Est-ce qu'on va trouver un équivalent francisé de ce mot-là, même si le, le, le terme francisé n'est pas très beau, mais... Alors, sur, il y a des commissions hein, dans les ministères qui sont gérées par les ministères à laquelle, auxquelles participe l'Académie française, qui cherchent à trouver des équivalents français à un certain nombre de termes étrangers, en particulier anglais. Nous, ce n'est pas notre rôle, nous, on les enregistre quand ils sont donnés. Par exemple, cette année... On a fait rentrer euh, visionnage boulimique, qui est l'équivalent français de binge-watching, que wow. tout le monde utilise. On dit binge-watcher, binge-watcher, binge, -watcher, binge, -watcher, binge -watcher, mais on pourrait dire je pratique le visionnage boulimique. Bon, je ne sais pas si les gens le disent, il y en a d'autres, le greenwashing par exemple, un équivalent français également que, que l'on donne, puisque en cherchant le mot, en cherchant greenwashing dans les versions numériques notamment, vous allez pouvoir trouver son équivalent français et l'utiliser si vous le souhaitez. Mais est-ce que d'abord, d'une part, vous ne risquez pas de vous faire attraper par la patrouille, entre guillemets, par l'Académie française, quand vous faites entrer ces, ces anglicismes, quand vous les adoubez dans un certain sens Et puis surtout, est-ce que la langue française, ce n'est pas aussi la façon dont elle s'enrichit, dont elle évolue, qui fait tout son sel, le fait de pouvoir incorporer des mots qui viennent d'autres cultures, d'autres langues, ben forcément, ça fait une langue vivante Oui, mais le, le processus, l'emprunt, c'est un processus de création lexicale qui existe. Depuis toujours. Donc, on emprunte, c'est vrai, beaucoup à l'anglais parce que l'anglais est très présent. Euh, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a quand même des emprunts aussi toujours à d'autres langues. Euh, on peut penser ces dernières années à l'espagnol avec Fashionista, avec Remontada on mm -hmm. peut penser, euh, on peut penser au, au, au japonais, puisque les mots japonais sont très présents dans notre culture. Il y a eu ou Sudoku. Euh, Manga. Bento, manga, mangaka. Mm -hmm. etc. Et puis mm -hmm. euh, l'arabe, qui est une des langues auxquelles le français a le plus emprunté, après l'anglais bien sûr, il euh, y a toujours beaucoup d'emprunts l'arabe, surtout dans la langue familière, avec euh, somme, avec euh, un certain nombre de mots familiers. Et qui rentre aussi désormais dans le dictionnaire. Charles-Henri, faire évoluer une langue, c'est parfois un peu la malmener, la tordre, mais est-ce que c'est si grave que ça? Il faut être créatif avec la langue. Euh, elle est vivante, elle est éminemment vivante. Et c'est d'ailleurs parce que ce n'est pas une, une vieille dame toute poussiéreuse qu'on a envie de s'en emparer, que les élèves ont envie de découvrir des nouveaux mots, euh, euh, d'en piquer à certains pays, à mmh. certaines cultures. Et effectivement, euh, il faut être créatif. Et d'ailleurs, euh, je, je salue une initiative du ministère de la Culture qui est un des soutiens. Euh, du concours francophone de vocabulaire des décodors campus, qui a eu une initiative, euh, euh, la création d'un dictionnaire des francophones, euh, qui est une application qui non seulement recense, inventory euh, des expressions euh, du français euh, des cinq continents, mais également propose euh, d'être créatif et de faire des propositions pour justement faire vivre cette langue sur les cinq continents et que euh, voilà, les Français euh, ne restent pas dans euh, leur champ lexical franco-français mmh. et aussi à y voir ce qui se passe ailleurs. Euh, C'est très inspirant parfois. Absolument. Euh, avant de faire une pause et, et d'aller faire un tour du côté de la Planète Tech, euh, il y a quand même une question qu'on qu s'est beaucoup posée euh, avec ces, ces nouveaux mots qui font euh, leur entrée. Géraldine, euh, je, je rappelle que vous êtes à la fois la directrice de la rédaction des éditions papier et numérique mmh. euh, du Robert. La définition de Yel, IEL ou YEL, I -E L, encore un L et E. Euh, vous aviez fait rentrer YEL au féminin dans la version numérique. On retrouve uniquement YEL au masculin dans la partie papier du Robert. On a pu se dire que c'était peut-être un coup de pub pour les éditions du Robert, mais est-ce que d'abord c'est un vrai débat on Alors, Je vais juste apporter une précision. IE de Zelle n'est pas le féminin de Yale, puisque c'est un pronom non genré, c'est une variante. Il, y a des, il existe de variantes, IE mmh. -E de Zelle. Il y a eu tout un tas d'autres propositions, c'était les variantes les plus courantes. Mmh. On a, elle, elle a été très mal comprise, cette ouais. variante. Tout le monde dit c'est le féminin, pourquoi le féminin d'un pronom non genré Non, c'est une variante, c'était bien précisé comme tel. On l'a fait. On on l'a retirée pour l'instant parce qu'elle a été très mal comprise et parce que YEL euh, IEL reste la forme vraiment la plus courante. Donc on a pris cette décision-là. Euh, il y a eu un grand débat euh, sur YEL, sur l'entrée sur d'YEL dans le Petit Robert. Euh, on a entendu beaucoup des gens qui, qui s'opposaient farouchement à, à, à cette entrée-là. On a aussi entendu des gens qui étaient très contents de ça. Et puis on n'a pas trop entendu tous ceux pour qui c'était juste un non-événement, puisque le directionnaire enregistre les mots qui existent, qui, qui ont un certain usage. Et ça permet aussi. Aux gens qui ne connaissent pas ce mot, qui pourraient le rencontrer dans la bouche de leurs enfants, par exemple, de le comprendre tout simplement. Encore une fois, ce qu'on voit avec vous, c'est qu'en effet, le fait de faire entrer des mots dans le dictionnaire, c'est avant tout une clé de compréhension sur le monde qui évolue et qui nous entoure. Charles, Henri, Géraldine, évidemment, vous restez avec nous. Euh, évidemment, euh, on est aussi avec Jeanne qui euh, se prépare pour sa chronique dans un instant. D'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et quelles sont les images que chérie Jessica Isenga a préparées pour nous en garde i can take you up and down sur le plateau de l'école du futur, évidemment toujours en compagnie de Géraldine Moinard, qui est la directrice de la rédaction des éditions numériques et papier du Robert, Charles-Henri Delalonde, président de la fondation Voltaire, co-organisateur du concours Les Dicodors, qui donne le goût de la langue au très jeune euh, public, et puis on est évidemment avec Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Jeanne, on te suit dans tes aventures, cette fois-ci sur les réseaux sociaux, parce que tu t'es intéressée aux stratégies entre les musées, l'influence digitale, notamment là aussi auprès du jeune public. Mais oui, Marjorie, tout à fait. Aujourd'hui, on va faire une visite du château de Versailles en ASMR. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va parler réseaux sociaux et culture. Hein. J'ai rencontré deux influenceurs culture, Camille Junot et Hugo Spini. Parce qu'en effet, breaking news, euh, les musées commencent à chercher à avoir du swag. Euh, donc, <laughs> depuis quelques années, hein, musées, institutions, monuments rivalisent pour élargir leur public. Euh, leurs stratégies sont diverses. Euh, elles vont du plus classique euh, au plus farfelu. Euh, leurs stratégies peuvent, être, peuvent se passer en interne. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du musée parisien, le centre Pompidou, ils vont engager activement leur communauté sur les réseaux sociaux en créant un hashtag centre Pompidou vu par vous, où ils vont inviter le public à proposer les photographies qu'ils ont faites de ce lieu, de ce musée parisien. Ces stratégies peuvent aussi être en externe. Ils vont, pour atteindre des jeunes, ces musées, ces institutions et ces monuments faire appel à des créateurs de contenu digital, qui peuvent aussi être nommés les influenceurs, mmh. qui touchent d'autres communautés que celles en fait, des monuments ou des musées. Par exemple, l'Arc de Triomphe a fait appel à la page Instagram Histoire de Rue. Mmh. La page Instagram Histoire de Rue, c'est une page qui propose des uchronies, hein, c'est-à-dire des impossibilités temporelles. Elle superpose une photographie ancienne sur une photographie contemporaine, avec le même point de vue. Et en fait, on, on a cette impression étrange hein, que le passé euh, se passe devant nous. Hein, C'est entre l'impossibilité et la réalité. On a l'impression d'être dans une machine à remonter. Le temps, mais ma palme, va <laughs> au château de Versailles qui a donc proposé une visite en ASMR avec la, page, avec la chaîne YouTube Paris ASMR. Qu'est-ce que c'est l'ASMR uh -huh. L'ASMR, c'est un acronyme euh, qui est devenu viral, hein, qui, qui parle d'une sensation agréable de picotement ou de frisson qui généralement euh, se passe sur le crâne en réponse à un stimulus souvent auditif. Tous les sons les plus bas et la voix chotée, notamment la musique du monde, est poussée à un volume assez fort pour faire kiffer, clairement. Ça donne ça. À la fin de l'automne, les fontaines ne sont plus en activité. L'eau est calme et l'onde aquatique entoure un impressionnant char de plomb et de bronze doré représentant Apollon. Le dieu du soleil, emblème de Louis XIV. J'ai envie de continuer à te relancer. On juge autant du coup, c'est terrible. Euh, ça veut dire quoi D'abord, est-ce que les musées doivent se rendre Instagrammables Et d'autre part, est-ce qu'ils arrivent à découvrir de nouveaux publics grâce à ces stratégies ben, Ça fait partie évidemment de de, des stratégies aujourd'hui qui sont essentielles. Il faut savoir qu'un Français sur deux n'ira jamais euh, au musée de sa vie. Hein. Donc évidemment, il y a euh, des contraintes gé gé géographiques, il y a des contraintes culturelles qui font que certains publics sont plus difficiles à atteindre que d'autres, notamment le public, le jeune public. Hein. Et là-dessus, il va y avoir euh, des des réseaux qui vont se placer en pôle position pour atteindre ces jeunes publics, notamment TikTok. Et d'ailleurs, les musées ne vont pas suivre forcément assez vite la volatilité du public qui va d'un réseau à un autre. Et il faut courir après ces tendances. Pour l'instant, TikTok. Je n'ai pas trouvé de, de, vraiment de compte officiel pour le Louvre. Il n'y en a pas pour le Musée d'Art Moderne de New York. À Orsay, c'est seulement 166 000 j'aime en tout sur toute la page. Mm -hmm. Le gagnant, c'est le musée du Prado qui est hyper en avance, mm -hmm. qui comptabilise 2,4 millions de mégusta sur TikTok, la clé du succès, c'est la, 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 la réussite. Donc, c est, c est, ils ne veulent pas sacrifier une tendance, ils se respectent même, ils ne veulent pas tirer les musées vers le bas, mais ils veulent plutôt hisser les réseaux vers le haut. Euh, Javier Sainz, qui est le responsable communication numérique hein, du musée du Prado, le dit d'ailleurs, il entend s'adresser avec respect. À un public qui juge intelligent. Euh, et notamment, par exemple, il va montrer euh, des, des, des petites choses, donner quelques informations comme ça, avec par exemple cette peinture du, du, peintre, euh, du peintre italien Tintoré de la Renaissance italienne, euh, qui, en fait, il va montrer comment ce, ce, ce peintre-là, pour dessiner une perspective, euh, clouait depuis le point de fuite euh, du tableau, un hein, sous-l'arc de triomphe, un fil qui permettait ensuite d'avoir toutes les lignes de fuite et de, de faire une perspective cohérente. Et aussi, dix minutes avant l'ouverture euh, du musée, hein, il, il y a un live sur le, le, le TikTok du Prado, euh, où on peut voir en fait les coulisses du musée, on voit les, 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 le personnel du musée euh, nettoyer une œuvre, en dépoussiérer une autre, on rentre vraiment dans les coulisses euh, du musée. Donc tu le dis si bien, on dépoussière au sens propre comme au sens figuré le musée pour pouvoir euh, le mettre à portée de génération tout à fait, c est, c est, il s'agit aussi évidemment d'apporter une nouvelle vision, vision euh, et c'est pour ça en fait qui, que, que, que les musées et les institutions vont faire appel évidemment aux influenceurs hein, qui, de, qui de plus indiqués pour parler euh, à, à, aux jeunes, notamment par exemple Camille Jounot qui, elle, est responsable de la minute culture. Hein. C'est un site qui. Euh, a, enfin, une page Instagram qui comptabilise 148 000 followers. C'est beaucoup dans le milieu de la culture. Euh, 57 ont moins de 35 ans. Donc, euh, elle aussi, elle, a, elle veut tirer, en fait, euh, les, euh, Instagram vers des contenus exigeants et aller à contre-pied de cette rapidité. On l'écoute. Instagram, c'est un, un, une plateforme d'instantanéité, notamment avec les stories, qui sont quand même des formats très courts à consommer. Et moi, finalement, je crée des histoires qui sont euh, très longues. C'est une sorte d'ovni qui n'existe pas, mais qui permet de montrer que euh, ce n'est pas seulement euh, un lieu de vacuité où on prend son assiette en photo. Même si elle dit euh, ne, ne, ne jugez absolument pas euh, le, le, fait, euh, le phénomène culturel de prendre son assiette en photo. Euh, donc Camille, elle produit donc la Minute Culture. Hein, donc c'est en fait elle, elle aborde hein, en collaboration avec des musées, notamment le Palais des Beaux Arts de Lyon, qui depuis 2021 donc a, a fait appel à ses Instagrammeurs et notamment à elle. Elle aborde des thèmes comme celui de la vanité euh, que, à l'occasion d'une exposition. La vanité, c'est un tableau qui représente l'aspect éphémère de la vie. Mm -hmm. Et elle aborde ces sujets, des sujets savants, hein, mais avec le vocabulaire des réseaux sociaux il y a euh, des sondages. Euh, en fait, elle fait euh, de l'apprentissage quelque chose de ludique, finalement. Ok, d'être sur les réseaux, autant en faire quelque chose où on apprend, où on approfondit aussi ses connaissances en matière d'art et de culture. Évidemment, et aussi, euh, quant à être sur les réseaux sociaux, autant aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément, notamment euh, au travers de sa scolarité, euh, avant un certain âge, hein, et euh, notamment qui peuvent être bah, l'objet, parfois associé à des souffrances. Une page Instagram, celle de Wherever Hugo, de Hugo Spini, euh, a une approche inclusive hein, qui aborde des problématiques à travers les œuvres d'art qui ont très au genre notamment au genre masculin à l'homosexualité parce que en effet quand les choses ne sont pas dites euh, elles sont ressenties mais elles ne sont pas forcément bien comprises ou en tout cas pas bien acceptées et c'est là qu'il peut y avoir une souffrance on écoute Hugo Spini il y a un besoin aussi de, de représentation que ce soit dans les choses de la vie courante les séries les films et les musées en sont pas forcément exemples, finalement et moi j'adore aller dans les musées et chercher des, des références euh, qui me parle Je pense qu'on fait un peu tout ça. On, on se cherche un peu dans les images. On cherche un peu dans le passé. Ben bah, oui, les images, elles créent. En même temps qu'elles suivent des normes. Mmh. Et donc, par exemple, en interrogeant euh, la figure de Saint Sébastien, hein, euh, Hugo Spini euh, va interroger cette figure qui, depuis la Renaissance, hein, est une figure de l'homo-érotisme, eh, qui a permis à des hommes euh, de s'identifier à Saint Sébastien, avant que plus tard hein, d'autres se sentent un peu enfermés dans cette image d'épinal, de l'homo-érotisme, où l'homme angélique, hein, fragile, ne correspond pas évidemment à, euh, les, à, à, à la diversité humaine. Et donc, là où les réseaux, en fait, ne cessent d'augmenter notre recours à la comparaison. Wherever Hugo, lui, il y montre qu'une œuvre d'art, hein, c'est une image qui se pense comme telle, une image qui se pense comme telle, et qui questionne nos représentations, nos fantasmes, notre rapport à l'autre, à soi-même. Et Hugo Spini aborde ces problématiques avec réflexion et donc avec bienveillance aussi. Eh bien, merci infiniment. On, on te suit évidemment dans ces enquêtes, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux et les influenceurs de l'art et des musées comment est-ce que justement on arrive à pouvoir redonner le goût de la culture le goût de l'art le goût des musées en s'adressant à celles et ceux qui peuvent justement y être intéressés via ces réseaux sociaux merci infiniment c'était passionnant Géraldine ce, ce, cette enquête encore une fois de jeunes je vous voyais boire ces paroles à certains moments Ouais, c'est extrêmement intéressant d'essayer d'intéresser comme ça les jeunes à travers les réseaux. Je regardais le, le compte TikTok du musée, on, on apprend plein de choses. Mais je, je sais que moi, si je peux parler d'une expérience personnelle, ma fille de 5 ans, elle adore aller au musée. Et pourquoi Elle n'est pas encore sur les réseaux. Parce qu'à l'école, on leur parle des œuvres d'art de manière assez ludique, on les, on les fait travailler autour du jeu. Et ils réclament tous dans sa classe d'aller au musée. Et c'est fantastique. Le musée qui devient vraiment un, un laboratoire d'expérimentation et, et de culture, là aussi, bien évidemment. Est-ce que les éditions Le Robert ont des comptes sur les réseaux sociaux pour justement aller chercher aussi ce public-là sur, sur la passion des mots ah Oui, bien sûr, on a des comptes sur les réseaux sociaux, euh, pas sur TikTok parce que c'est un peu plus compliqué de relier le dictionnaire euh, à de la vidéo, euh, mais on a des comptes sur, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et quelle est votre façon de vous adresser justement à ces publics sur, sur ces différents comptes-là eh bien, nous, on va surtout faire découvrir de nouveaux mots, découvrir de, de nouvelles définitions, mmh. découvrir du vocabulaire, des règles de grammaire. Donc, on va essayer de, simplement d'intéresser les gens et de leur, apprendre, de leur apprendre des choses tous les jours, plusieurs fois par jour. Ces nouveaux mots qui font leur entrée en dictionnaire, vous savez, on en parle aujourd'hui dans l'école du futur. On se pose aussi la question de savoir comment cultiver ce goût de la langue, ce goût de l'orthographe, ce goût du vocabulaire. Charles-Henri Delalonde et Géraldine Moynard sont avec nous. On continue notre talk et notre discussion tout de suite. Et je le rappelle, Charles-Henri, euh, euh, le. Les Dicodors, même au pluriel, Campus, c'est la troisième édition, la finale a eu lieu le 19 mai dernier, il y a quelques jours à peine, 70 collégiens et lycéens qui se sont affrontés par équipe, à la fois pour épeler des mots, pour enrichir leur, leur vocabulaire. L'idée de se dire que oui, on met en avant l'importance du vocabulaire, l'importance de l'orthographe, c'est une action très significative parce que, encore une fois, les enquêtes se succèdent, les années aussi, et pourtant elles se ressemblent, on a affaire à une baisse drastique du niveau de maîtrise de la langue, du niveau de maîtrise de l'orthographe par les élèves français notamment. Euh, une récente enquête du projet Voltaire, cette fois-ci, c'est pas la fondation, euh, disait que 56% seulement euh, des 15-25 ans maîtrisent les règles basiques euh, de l'orthographe. Encore une fois, la syntaxe, les impropriétés, comment est-ce qu'on n'utilise pas un mot euh, pour un autre, euh, ça fait partie finalement d'une mission de service public pour vous. Il y a un enjeu d'utilité publique, c'est certain. Euh, après, on peut s'intéresser aux constats, on peut s'intéresser aux diagnostics, et les raisons sont multiples, on ne va pas les évoquer ici. Il faut surtout essayer de mettre en œuvre des solutions, et des solutions euh, avec les familles, avec les enseignants, qui sont les meilleurs alliés euh, pour, euh, pour y parvenir. Finalement, l'exigence d'expression écrite, de la qualité de l'expression écrite et orale, euh, ce sont les employeurs qui la donnent, euh, ce sont eux qui disent euh, à quel point euh, dans un entretien quelqu'un qui s'exprime mal, qui a du mal à développer un argumentaire, qui utilise un mot pour un autre, qui ne comprend pas les questions, euh, ça peut être rédhibitoire euh, pour, pour eux parce que finalement c'est un enjeu d'efficacité professionnelle euh, qui est affaibli. Et euh, quand on n'a pas les mots, ça rend vulnérable finalement, alors qu'avoir euh, les mots, ça donne du pouvoir, euh, le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir de s'émanciper, le pouvoir d'avoir une maîtrise sur son destin euh, finalement et de pouvoir euh, témoigner, soutenir, défendre. Et donc, euh, effectivement, il y a une notion euh, d'utilité publique là-dedans, mais aux avant-postes de cette euh, utilité publique, euh, il faut saluer le remarquable euh, travail des enseignants. Ce que propose un concours comme l'Édicodeur Campus, euh, c'est euh, un outil pédagogique pour les enseignants, je le disais tout à l'heure, euh, qui est associé à un outil numérique. Et le numérique pour les enseignants, c'est un bon allié euh, en ce sens que ça les aide notamment pour la différenciation pédagogique. Ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, c'est quand on a une classe de 30 enfants euh, devant soi, c'est pas simple de s'adapter au niveau des uns et des autres. Il euh, y en a quelques-uns qui sont en situation de dyslexie, euh, entre 7 et 8% en France. Il euh, y en a d'autres qui ont euh, d'autres difficultés, euh, des retards. Tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même rythme d'acquisition. Et finalement, jongler avec ce collectif tout en essayant d'apporter la juste dose et le juste nécessaire aux élèves qui en ont le plus besoin, euh, c'est un travail, il y a une vraie ingénierie pédagogique. L'outil numérique, et les, les enfants s'entraînent sur un outil numérique entre janvier et mars dans le cadre de ce concours, euh, c'est justement un outil qui parfois peut être euh, ce qu'on appelle auto-adaptatif, c'est-à-dire avoir un véritable parcours personnalisé, ce que permettent les algorithmes logiciels finalement en complément, en renfort euh, du travail euh, des enseignants. Et chacun avance à son rythme, chacun euh, avec son niveau initial, chacun euh, avec ses lacunes éventuelles, et peut progresser et finalement viser euh, un niveau euh, d'excellence, pourquoi pas, puisque tout le monde est appelé à... à à maîtriser euh, cette belle langue <laughs> qu'on trouve si compliquée, mais qui néanmoins... Euh... – Qui nous pose quand même quelques soucis parfois <laughs> sur la concordance des temps, des gens, tout ça, tout ça. Ce n'est pas évident tous les jours, hein, euh, vraiment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en effet, on peut faire de sur-mesure, on peut venir euh, euh, s'adapter aux besoins de chacun, de chacune dans leurs apprentissages de la langue. C'est intéressant ce que nous dit Charles-Henri Géraldine parce que, je, je le rappelais, vous êtes à la fois directrice des rédactions numériques et papier des éditions euh, Le Robert, et là aussi, il y a une véritable complémentarité entre les deux versions de ces dictionnaires Oui, bien sûr, parce que le papier, il y a forcément une limite fonctionnelle et puis une limite de place. Dans le numérique, on va pouvoir proposer tout un tas de contenus complémentaires, par exemple toutes les conjugaisons, toutes les formes conjuguées on va pouvoir proposer de l'audio on va pouvoir proposer aussi des vidéos en lien avec les programmes scolaires sur certains grands thèmes et puis on va pouvoir proposer aussi des fonctionnalités plus simple de recherche, de navigation, trouver un mot même si on ne connaît pas son orthographe. Mmh. On va pouvoir trouver dans un dictionnaire comme le Robert Collège, on va pouvoir faire des recherches transversales, savoir par exemple quels sont tous les mots qui viennent de l'allemand dans la langue française. Donc ça, ça va être extrêmement intéressant. Et puis le numérique permet aussi tout un tas d'activités en classe, mais le papier mmh. le permet aussi. On va proposer aussi... Euh, des, des fiches euh, pédagogiques pour accompagner les enseignants, puisque c'est vraiment les enseignants qui doivent mener ce travail d'enrichissement de vocabulaire, euh, d'acquisition de la langue française avec les élèves. Donc on leur propose des fiches, on leur propose des jeux. Mm -hmm. Par exemple, on a proposé euh, avec le Robert Junior ou avec Dico en ligne, le dictionnaire gratuit, tout un, un jeu d'évasion que les enseignants peuvent monter en classe avec le, la documentaliste, dans lequel les élèves, répartis par groupe, vont devoir empêcher leur professeur de se transformer en loup-garou. Ils vont devoir trouver. Une heure pour trouver l'antidote ouais. qui empêchera le enseignante de se transformer en loup et ben pour oui, cela, vaut mieux. moi je, moi, je si on <laughs> voilà. un je, je prends l'antidote. Je... Ils vont devoir se balader dans le dictionnaire, essayer de trouver des orthographes, mm -hmm. des sens, des articles autour de la langue pour pouvoir euh, réunir les indices et trouver le code secret qui va leur permettre mm -hmm. de livrer l'antidote. Ça, ça a très bien fonctionné et c'est une manière d'intéresser ouais. les élèves en plus par groupe, qui peuvent être de niveaux assez variés et donc euh, il y a une certaine forme d'entraide. C'est le dictionnaire dont vous êtes le héros. C'est ça. Et du coup, par justement ces, ces ressorts ludiques, ces ressorts du jeu, forcément, on a envie d'apprendre plus, d'emmagasiner plus de vocabulaire et de progresser au fur et à mesure des épreuves et, et de l'accompagnement pour éviter que, que, que son maître ou sa maîtresse se transforme en longueur rouge. Je vous confirme, en effet, c'est plutôt une bonne idée. Mais c'est intéressant aussi parce que ça nous montre que si on prend les choses sous l'aspect ludique, sous forme de jeu, bah forcément, le vocabulaire vient beaucoup plus facilement, hein, Charles-Henri. Oui, absolument. Je me réjouis que vous parliez de, de jeux d'évasion, parce qu'effectivement, il y a d'immenses vertus pédagogiques aux jeux d'évasion, et c'est une très bonne idée. Et ravi que les enfants et les parents, les enseignants s'en emparent. Euh, la Fondation Voltaire mène aussi un travail de sensibilisation à l'importance de la maîtrise du français. Donc, non seulement auprès des, des collégiens, des lycéens, mais également des professionnels ou des demandeurs d'emploi. Et à cet égard, on a organisé à plusieurs reprises un jeu d'évasion qui s'appelle Révolte IA. C'est mmh. l'anagramme de Voltaire, ouais. Révoltia, où il s'agit également de libérer l'humanité de la tyrannie d'une intelligence artificielle. <laughs> Décidément En 90 minutes. Et euh, c'est un outil formidable de sensibilisation, mmh. puisqu'il euh, y a un parcours éminemment ludique. Ça fait appel à des notions de logique, ça mmh. fait appel évidemment à sa connaissance de la langue française, de la grammaire, du vocabulaire, de toutes ses saveurs. Et c'est à la portée du plus grand nombre. Et surtout, ça se joue en équipe. Ouais. Et à l'heure où on a été souvent séparés par la crise sanitaire ou empêchés, se retrouver aussi en équipe pour participer à un jeu et finalement, à la fin, sauver l'humanité, ça fait beaucoup de bien. <laughs> Absolument, je vous confirme aussi. Donc des, des escape games, si je vous entends bien tous les deux, dont le vocabulaire devient, la boussole devient quasiment même la manette de jeu. Absolument, c'est exactement ça. Il n'y a pas que le vocabulaire, heureusement. Mm -hmm. Des éléments de, de logique interviennent aussi, parfois de calcul. Mais euh, avec euh, le mot, avec la langue française, on peut vraiment euh, avoir un immense territoire de jeu pour la découvrir sans euh, mm -hmm. revenir à euh, parfois des souffrances scolaires qu'on qu a pu avoir ou revenir sur les bancs de l'école, avoir l'impression d'une régression. Mm -hmm. En fait, ce qu'on veut dire à travers ce type d'initiative, ce, ce type de jeu, c'est vraiment un exercice de sensibilisation où le français, la langue française n'est pas réservée à une élite. Mm -hmm. euh, tout le monde doit pouvoir progresser à mm -hmm. tout âge quel que soit son niveau initial, quelles que fussent les difficultés. Et euh, prendre finalement euh, ce pouvoir sur les mots et euh, se donner une meilleure place euh, dans notre monde ou finalement euh, et encore plus là on le voit avec euh, la crise mm -hmm. sanitaire, le télétravail, mm -hmm. l'écrit a pris beaucoup de place. Euh, C'est pas le Robert qui me contredira <laughs> et donc Visiblement effectivement, pas. Dans les Caroline, u... ne vous contredit pas. Non, mais dans les, dans les usages, dans les échanges personnels et dans les usages professionnels, mm -hmm. euh, la langue française peut vraiment être très discriminante. Et donc euh, avoir conscience euh, que les capacités, que les, que les progrès sont possibles à tout âge, c'est vraiment un, un enjeu très important. Ah, l'importance de l'écrit. Euh, et ce n'est pas parce que parfois il y a de l'écriture SMS qui est un peu plus expéditive euh, que euh, l'écriture euh, avec euh, un grand E, euh, l'écrit s'impose justement aussi euh, par le numérique. Euh, le dictionnaire, c'est quoi finalement C'est la Bible hein, des amoureux des mots, Géraldine. Oui, les amoureux des mots sont très attachés au dictionnaire, les amoureux, mais aussi les, les, tous, les, tous les gens qui travaillent avec les mots, les enseignants, euh, les traducteurs, les, les linguistes. Enfin, il y a un, un véritable amour pour le dictionnaire, mais ce n'est pas tant la Bible que je vous disais tout à l'heure. L'arbitre, mm -hmm. il enregistre le dictionnaire et donc il, il donne les informations pour mieux comprendre le monde et pour le dire, pour s'exprimer à l'écrit, mais aussi un peu à l'oral, parce que l'écrit est discriminant, mais l'oral aussi, si vous vous exprimez mal, si vous n'avez pas les bons mots. Ça va se voir même si vous n'écrivez pas, donc c'est important d'avoir du vocabulaire, d'enrichir ça. Et quand on a le goût du dictionnaire, quand on se plonge dans les pages, c'est vrai pour les enfants à qui on va offrir des dictionnaires, que ce soit en version imprimée ou en version numérique, ça marche peut-être un petit peu mieux avec les versions imprimées, on va feuilleter le dictionnaire, découvrir des mots, et c'est fantastique, mais dans le vers, les versions numériques, tout le principe de l'analogie, de la synonymie, va permettre aussi, en partant d'un mot qu'on connaît peut-être, de découvrir des mots qui y sont liés. Je vais chercher l'article feu. Et puis je vais me dis ah ben bah oui on va nous renvoyer à, à pyro, à la racine grecque on va nous renvoyer à Brasier à Fanal à des feux l'éclairage donc tout ça c'est important et c'est pour ça que les gens aiment le dictionnaire je pense alors dans les autres synonymes euh, de l'incarnation du dictionnaire j'ai failli aussi vous donner cette métaphore est-ce que le dictionnaire c'est le ciment aussi de la langue française et surtout le reflet de ces évolutions. Parce qu'on en parlait en ouverture de ces émissions, que ce soit des anglicismes parfois bien traduits par nos confrères et concerts francophones ou en tout cas adaptés, que ce soit par vagues de mode aussi, technologique, scientifique, sociétales, économique, la langue, elle évolue parce que la société bouge aussi. Oui, elle évolue. Enfin, de tout temps, elle évolue la langue. On ne parle pas aujourd'hui le français que parlait Rabelais ou Molière. On dit la langue de Molière, mais lisez un texte de Molière dans sa version originale, on comprend pas tout. Euh, donc la langue évolue et c'est normal. Et donc le dictionnaire est le reflet de ces évolutions. Donc les mots qui se créent, toute la créativité lexicale. Évidemment, elle est liée aux thématiques de société, forcément, dans grande partie. Et donc ça, nous, on est là pour l'enregistrer. Mais c'est pas. Ce sont encore une fois les locuteurs qui font leur langue. Charles-Henri, les enfants qui candidatent avec leurs enseignants, leurs enseignantes au, au, au Dicodore Campus, ils vous disent quoi quand ils viennent justement Ils sont fiers de participer en équipe, ils ont envie de défendre justement ce, ce vocabulaire, quitte parfois à faire des néologismes, mais peut-être qu'au jour ils se retrouveront dans le petit Robert. Il y a une forme d'immense curiosité et de fébrilité aussi parfois, parce que. Quand on voit les finalistes, et en particulier les plus jeunes des classes de 6e, de 5e, on avait euh, pour cette finale du 19 mai des équipes malgaches, des équipes marocaines et des wow. équipes françaises donc voilà une représentation de la francophonie. Et on s'aperçoit qu'il qu y a une très grande concentration au moment de passer devant le jury, une très grande fierté, une très grande fébrilité aussi, parce qu'ils ont le goût du concours, l'envie de gagner. Et puis, d'ailleurs, le prix, c'était une sortie culturelle d'une valeur de 1000 euros. On parlait des musées ouais. il y a un instant, et effectivement, on s'aperçoit que dans les années antérieures, Qu'est-ce que les équipes lauréates ont choisi Des sorties culturelles au musée, euh, des, des sorties scolaires. Et donc, euh, une certaine fébrilité et puis euh, une, une, une belle candeur euh, parfois, euh, l'envie de, de réussir, l'envie de découvrir, l'envie de passer un bon moment euh, en équipe. Et puis finalement, ils, re, ils, ils tiennent dans les mains la bannière de leur établissement, parfois la bannière de leur pays. Euh, le porte-drapeau de la langue française. Le porte-drapeau, effectivement, et c'est très beau à voir. Ces porte-drapeaux, évidemment, du vocabulaire, on les retrouve. À partir de quand on peut candidater pour la quatrième édition Quatrième édition, les inscriptions sont ouvertes pour les enseignants à partir du 1er septembre. Mmh. Et pour cette quatrième édition, euh, on s'élargit encore plus à la francophonie. Il y avait 18 500 inscrits pour cette troisième édition, dont 3500 euh, locuteurs euh, francophones. Euh, on espère. Euh, Élargir encore euh, mmh. les, les, les locuteurs francophones pour la prochaine édition. Et d'ailleurs, on change le, le nom du concours, oui. qui est devenu les mots en or. Euh, les codors faisaient référence à une dimension très patrimoniale franco-française. Euh, les mots en or euh, ont une vocation encore plus large euh, pour représenter la francophonie, puisque quand on a 50 pays qui participent euh, à un concours international, on se doit de se décentrer euh, de notre euh, nombril euh, franco-français, et c'est aussi euh, l'enjeu des prochaines années. Voilà. Des mots en or donc pour euh, ces collégiens, ces lycéens, ces, ces élèves aussi euh, de l'école primaire qui pourront donc euh, eh bien, justement se familiariser avec ce vocabulaire dans toute la francophonie. Euh, pour vous Géraldine, le calendrier à partir du moment, il est très serré parce que j'imagine que ça y est une nouvelle saison euh, pour valider les prochains mots de l'édition 2000. 24 maintenant de dictionnaires est déjà en cours. Oui, c'est en continu. Hein. Il y a, on réfléchit sans cesse aux mots euh, qui vont faire leur apparition. On, les, on, on a un œil sur les mots en continu. Donc, euh, donc là, on vient de sortir le petit Robert mm -hmm. le 12 mai. Euh, il y a le Robert illustré qui va sortir en juin. Et puis, euh, et puis, on a bien sûr tous nos autres dictionnaires, notamment les dictionnaires scolaires, le Robert Collège, Benjamin. Ça ne s'arrête jamais. Vous le voyez, la langue est bien vivante et elle se transmet à la fois avec les éditions du Robert, à la fois avec les mots d'or, donc je ne dirais plus les décodeurs campus désormais, et aussi avec Jeanne, car tu emploies à chaque fois des mots dans chacune de tes chroniques, évidemment extrêmement choisis. Merci à tous, merci à toutes d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de l'École du Futur, bien sûr.